Nous influence. Non, alors blague mise à part. On va se présenter. Donc, Klaus Blaskiz. Ah, je le voyais pas comme ça. Voilà. Moi, c'est Khalid Bazi et on s'est dit il y a à peu près, il y a 4-5 ans, à l'occasion de la BO d'un film sur lequel on travaillait ensemble. Tiens, si on faisait un Earth, Wind & Fire français, en fait. Et on a créé Black Foxy. Et puis ensuite, bon, je résume, hein, je vulgarise, hein, tu me coupes si je parle sur ton contrôle. Pour l'instant, t'as bon. Voilà, j'ai bon. Et donc du coup, on a fait un recrutement sur le tard. Et puis aujourd'hui, on est à 13. Et quel recrutement, ouais. Et l'idée, en tout cas, c'était voilà, de réussir sur les œuvres originales, de pouvoir avoir des influences qui retracent les 60s, les 70s et les 80s dans le style soul, funk, disco. Avec des influences qui viennent de la Motown, donc les Temptations, d'où les 5 chanteurs par exemple, c'est une référence directe. Hein. Alors évidemment, après on a des femmes, parce que Black Foxy, c'était aussi, l'idée c'était aussi de féminiser un petit peu les choses. Après dans la démarche, il y avait aussi une démarche un peu cinématographique, ou théâtrale même plutôt, ça veut dire d'essayer d'avoir des personnages donc très forts et très différents, mais qui se complètent. Et de démontrer cette intelligence relationnelle et collective qu'on peut avoir. En étant singulier et différent, bah de pouvoir collaborer ensemble et d'avoir des voix qui se marient bien que les univers soient relativement différents des uns aux autres. Et puis ça veut mettre l'accent sur le spectacle, raconter quelque chose plutôt que de faire un concert de musique, même si c'est avec des originaux. Le plus important c'était les conversations, les choses racontées. Le scénario, les scénarios, et puis ce qu'on peut dire aussi. Bien sûr, hein. Voilà, c'est ça. Vous prévoyez la sortie de plusieurs maxi cette année. Donc un qui est prévu même bientôt, je crois, c'est le 24 janvier, non? Alors, donc le premier maxi de titre, donc effectivement, qui reprend donc Hold 'Em et Change My World, donc. Non, Street Law, pardon. Donc en fait, il y a un clip qui est sorti en janvier. Là, effectivement, il y a un maxi de titres qui sort le 24 février sur Tune Corse. Et ensuite, il y aura un deuxième maxi de titres qui sortira probablement cet été. Et ensuite, il y a un single qui est prévu pour la fin de l'année. Donc on a une stratégie, petite dose. L'idée, c'est d'essayer de nous faire connaître un public de plus en plus large. Mais l'idée, c'est d'essayer de nous faire connaître du plus grand nombre. Voilà. Quelles sont vos impressions sur cette soirée du tremplin? Bah, d'abord, belle découverte avec les groupes donc, qui ont joué avant. Moi, j'ai trouvé que vraiment il y avait un énorme potentiel. Voilà, vraiment, c'est des groupes. Des petits jeunes. Voilà, mais honnêtement, franchement, ils ont déjà compris l'essentiel. Enfin, franchement, honnêtement, pour nous, ça, c'est pas évident en plus parce que ça met une pression aussi, je trouve. Une pression intéressante d'avoir des groupes comme ça en amont qui jouent. Et qui vont, qui sont frais, qui se prennent pas la tête, etc. On va s'endormir. Et nous, ça nous ramène toujours à notre perpétuel doute quoi, qu'il faut avoir. Ça veut dire se dire, ben, voilà, il y a toujours quelque chose à aller chercher. Et de ne pas s'asseoir sur des acquis, même si on a des années d'expérience, de toujours douter. Toujours se dire, voilà, il faut douter, parce que c'est bien d'avoir la foi en notre capacité, mais ce doute de la fraîcheur du début, cette espèce de fragilité, il ne faut pas la perdre, vraiment. Et l'enseignement du tremplin, en particulier des tremplins faits par l'OMJA, que je connais depuis une dizaine d'années, hein, ça date pas d'hier, je trouve que cette démarche-là est super intéressante. Et même ce qu'il y a autour, donc ces petits jeunes justement qui viennent, qui financent leur projet en faisant la buvette, etc. Il y a suffisamment d'images négatives, malheureusement, pour justement pas montrer ce genre d'initiative. Et voilà, franchement, honnêtement, on est en pleine banlieue. Très important, l'attitude, voilà. L'attitude qu'ils ont eue En nous accueillant. En se mettant en danger, ils sont venus nous voir aussi. Complètement. C'est très rafraîchissant. Donc en gros, c'était plaisant. Vraiment, c'était très plaisant pour nous. Vraiment, on,
on a passé vraiment un super moment et de baigner là-dedans. Pour nous, c'est vraiment pas un honneur, quoi, mais presque. Dernière question pour finir. Du coup, ces petits jeunes là que vous avez pu voir ce soir, quel conseil vous leur donneriez à eux comme aux jeunes artistes amateurs Curieux. Curieux et de ne pas lâcher. Voilà. C'est des métiers extrêmement difficiles. Peu de place, peu d'élus. On ne nous attendra pas. On peut être le futur Stevie Wonder. Aujourd'hui, on est noyé dans plein de choses. Des choses très médiocres comme des choses exceptionnelles. Ça se fait pas tout seul. Ça se fera jamais tout seul, mais il faut pas lâcher. Il faut y croire. Et il faut y croire. Voilà. Et bah merci à vous en tout cas. Merci beaucoup. Champion l'accueil.